gens, ici Rafi 76250, on se retrouve parmi nous sur Gran Turismo Sport. On se retrouve pour une nouvelle vidéo essai d'un nouveau véhicule, donc une Ferrari. Donc on va tester aujourd'hui la GTO 84. Donc c'est parti, on va partir sur le circuit Nürburgring, Nürburgring comme d'habitude, et on va mettre une course vers midi parce que c'est le plus simple. Est-ce qu'on conduira bien ou pas ce nouveau véhicule que je vais tester, donc la GTO 84. Donc elle a 595 chevaux, donc je pense qu'elle peut avoir plus. Parce que hier, j'avais commencé à faire la capture, mais quand j'avais pas assez de miles, du coup, j'ai pas pu améliorer la caisse à fond, du coup, j'ai reporté aujourd'hui, quoi. Et demain, je vous ferai, alors, annonce, je vous l'ai fait tout de suite, annonce, je vous ferai la capture de l'essai de la F40. Et samedi, ce sera la F50. Voilà. Les Ferrari, pour l'instant. Pour l'instant, on reste dans les Ferrari. Par contre, malheureusement, ceux qui coûtent trop cher, que j'ai pas assez d'argent, bah, je pourrais pas vous les tester. Donc, pour rappel, au niveau des chronos, donc la Countach est première. Ensuite, on a la Stratos, la 512 BB76 et la Dino 246 GT. Donc, c'est parti, on va tester ce véhicule. Donc, là, comme je vous disais, j'avais pas assez hier. Du coup, là, j'ai assez pour l'améliorer. Donc, elle a 647 chevaux. Donc, là, je diminue. Je vais mettre des courses tendres, comme d'habitude. Et on va faire un petit tour avec cette voiture. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors. Donc, esthétiquement, comment elle est? Ah ouais, elle est vraiment pas mal. Donc, je fais un petit tour de propriétaire avant de commencer. Donc, voilà la petite vue. Donc, on a la vue intérieure, ok. On fait une petite. Tant que c'est pas encore commencé, on peut faire un petit tour avec. Hop, l'intérieur, l'extérieur. Donc, le derrière, ça donne ça. On a le côté. Oh merde, je n'arrive pas à voir. Non, franchement, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On y va, hop. Allez, c'est parti. Donc, le bruit, j'adore. Franchement, déjà de prime abord. Voilà, un bon bruit. Donc, on va se mettre en vue extérieure. On va se mettre en petite vue comme ça pour l'instant. On changera un peu après. Wow. Wouhou! Ça commence mal. Oh, Camos, les chevaux, Camos. Pour l'instant, franchement, je pense que je n'étais pas allé trop vite avec cette caisse-là parce que un peu dur à conduire pour l'instant. Peut-être que les pneus, faut que je chauffe peut-être. Bon, pour rappel, je jouais à la manette pour ceux qui se poseraient la question. Hein. Ah bah ça, ce tournoi-là, chaque fois, je me pète tout le temps la gueule avec le bagnole. Tout le temps, j'ai le droit. Hein. Drapeau vert, ok, on peut y aller. On va se mettre un petit mur intérieur comme ça. Souvent, c'est la mieux, je trouve, au niveau des vues. Dans le jeu, franchement, c'est pour moi la vue la plus. Bah, on voit toute la course, on voit tout le circuit, quoi. Ouais, 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 ouais. Calmos, calmos. Oh là là. Voilà, cette voiture-là, elle a du mal. Hein. Il faut que je m'habitue un petit peu à la conduite. Donc en plus demain je ne risquerai d'avoir presque plus d'argent parce que bah, la F40 vaut quand même 1 million 9 de crédit et je suis 1 million 9 et quelques. Donc bah, je risque de me ruiner demain à faire ma vidéo. Bon c'est pas grave. J'ai une course qui me donne assez pas mal d'argent. Ça me donne à peu près 250 000 crédits en 12 minutes. Donc après si je fais une course parfaite ça me fait 350 000. Donc je gagne assez d'argent. C'est-à-dire qu'en une heure de temps, vous pouvez faire 1 million, quoi. Donc ça va même pas une heure de temps, quoi. On va essayer de mieux conduire, là.
de se concentrer là pour essayer de rattraper le temps perdu. Je suis déjà à 3 minutes déjà. Là, c'est vrai que la voiture dans les tournants tourne pas du tout. Hein. À la limite, elle va tout droit quoi. On a vraiment du mal, il faut vraiment freiner au dernier, pas au dernier moment, mais vraiment freiner avant d'anticiper les virages quoi. Sinon vous, la voiture va tout droit dans les virages. En fait, faudra même freiner au moment que vous avez l'indicateur de freinage. Faudra même freiner à ce moment-là pour être bien. Parce que sinon ben, vous allez tout droit quoi. Faut trop que je m'énerve là. Bon, après, comme je vous dis, hein, c'est pas les performances que je fais. Hein. C'est vraiment pour essayer les véhicules, tout, qu'on passe un petit moment ensemble, quoi. Bah, pas ensemble, parce que bah, c'est pas en live, mais que vous passiez un petit moment sympa à tester des véhicules avec moi, quoi. De toute façon, je pense que vous savez ce que je, de quoi je parle, quoi. Donc, je profite de conduire un petit peu, là, pour vous en parler. Donc, je vous remercie tous. Franchement, je suis déjà à presque 6 euros, là. Bah, je suis dépassé les 6 euros sur Utip. Franchement, je vous remercie. Ça va faire une semaine que j'ai lancé mon compte Utip et... ça marche pas mal, on va dire, 6 euros, c'est pas mal en une semaine de temps. Parce que 6 euros, quand vous regardez, en moyenne, je me fais sur YouTube, quand, rien qu'en faisant mes vidéos sur YouTube, avec Google Access, je me fais 10 euros, à peu près 10 à 15 euros par mois. Donc là, je suis à 6 euros en une semaine. Donc c'est vraiment très bien, franchement. Je tiens à vous en remercier de votre soutien. Et ce qui est bien, c'est que ça vous coûte rien. C'est gratuit, donc bah allez-y tous les jours, hein, franchement, pour ceux qui ont l'occasion de venir voir ma chaîne tous les jours. Bah pourquoi pas tous les jours faire un petit don sur Utip. Après, je vous demande pas de le faire directement pour vos 3 vidéos. Faire une vidéo par jour, c'est bien. Après, si vous soutenez d'autres youtubeurs, je le comprendrai. Je n'en voudrais même pas, hein, franchement. C'est normal. Hein. Comme moi, je soutiens pas mal de youtubeurs, donc c'est pareil. C'est la même chose. Hein. Donc moi, c'est ce que je fais. Moi, mes soutiens. Alors moi, c'est pareil. Moi, j'ai le droit à 3 sur mon PC. Je peux faire aussi 3 fois par jour. Je le fais une fois par pour moi, puis deux fois pour des youtubeurs que je soutiens, quoi. Pour l'instant, ça a l'air bien se passer. Alors, je sais pas si je vais faire un bon temps. Je suis déjà à presque 7 minutes, là. Bon, je sais pas si ça va être bien ou pas. On arrive bientôt à la grande ligne droite du circuit. Donc on va voir ce qu'il en est au niveau de sa puissance. Sa puissance en ligne droite, on va dire. Sa vitesse maxi. C'est ça qui est bien sur ce circuit-là, au moins. Vous pouvez tester la vitesse maxi de vos véhicules. Donc là, je suis à 6,42 déjà. Il me reste à peu près une minute, à peu près. Donc je pense qu'elle va... je pense pas qu'elle va être bien classée, celle-là. Oh, attention, moi, je viens, hop, on se met en vue comme ça. Allez, 210, 220, 230, 240, 250, le 260, 270, 280, 290, le 300, 310, 320 avec du mal. Bah non, pas 320, 319 km/h maximum. Donc c'est déjà pas mal, hein. Donc l'intérieur, voir comment ça tremble. Ah oui, c'est vraiment... Donc on est bientôt arrivé à l'arrivée. Ouais, franchement, ce virage-là, il est vraiment dangereux. Donc on va voir son classement. Bientôt arrivé. Et une... 47,281. On va se garer là. Hop. Voilà. Alors...
classement, on est combien? 747, 280. Donc j'ai pas, c'est pas le meilleur. Hein. Mais bon. Alors. Bon, j'ai déjà fait 21 km pour mes objectifs quotidiens, c'est bien. Alors. Du coup, allez. Première? Non! Allez, première! Oh là 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 là, ça m'a étonné. La voiture est première. Ah bah voilà. Donc voilà, bah, nous, on a une nouvelle voiture sur le podium. La GTO 84, donc a battu tous ses concurrents. Franchement, j'aurais pas cru. Hein. Donc nickel. Franchement, c'est pas mal. C'est classe même. Donc elle a fait même partie de la même catégorie que la 512 BB 76. Donc du coup, elle est dans les catégories N600. Donc voilà, franchement, je suis étonné. Donc, dites-moi dans l'espace commentaire si vous êtes étonné de ce résultat, si vous pensez qu'elle faisait moins bien ou pas. Mais franchement, je suis premier étonné. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. Donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Salut, bye bye, portez-vous bien. Peace. Hey,